Bonjour à tous, Jacques Lelay, je suis directeur général de Mazagan. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la signature de cet partenariat avec Ayoub, notre golfeur fantastique. Je suis très heureux à Mazagan de pouvoir renouveler ce partenariat, cet accompagnement dans sa carrière. Aujourd'hui, notre volonté était de l'accompagner, chose qui avait débuté avant 2019, que nous avons arrêté pendant la période du Covid et que nous reprenons aujourd'hui. Notre engagement était de continuer à l'accompagner pour le futur. Nous croyons beaucoup à Ayoub. Et nous aussi, ce qui est très important pour nous à Mazagan, c'est de pouvoir être là près de lui en cas de besoin. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir bénéficier de ses aspects conseillers techniques également sur le jeu, mais également lui va pouvoir bénéficier du golf de Mazagan. Chlorol a toujours une place particulière au Maroc, bien sûr, de nombreux golfs bien sûr présents au Maroc. Rôle très important aussi pour Mazagan, puisque nous avons un golf international 18 trous très renommé et très coté. Donc nous sommes très heureux de pouvoir associer le nom de Mazagan avec Ayoub sur le golf de Mazagan. Alors si vous voulez faire du golf, plusieurs solutions. Nous avons le golf ouvert bien sûr tous les jours, toute l'année, mais également notre golf académie que nous allons bientôt lancer, y compris, puisqu'on parlait de la jeunesse, y compris pour les jeunes. Nous allons ouvrir bientôt sur la partie de 10 ans à 17, 18 ans, sur les sections d'âge, une académie qui va être ouverte à Mazagan pour le futur, pour peut-être trouver le futur Ayoub également, grâce à Mazagan. Mon sentiment pour terminer est très simple, je suis très heureux, au-delà de signer une convention avec Ayoub, c'est surtout de l'accompagner et de participer au développement aussi du golf à travers Ayoub au Maroc. Merci à tous. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.